Ah, Ashley, je vois que tu t'en es tiré. Eh, ah. Eh, tu fais quoi là? Mais déjà, tu dégages? Je suis trop forte. J'ai été meilleure que toi même. Ouais, meilleure que moi, on verra. En attendant, il faut se barrer d'ici. Ah, un coup de fil. C'est une Hunigan ou c'est l'autre connard? Oui, c'est l'autre connard. Alors, tu as récupéré Ashley sans répondre à l'énigme? Eh ouais, ça t'en bouche un coin. De toute façon, je t'ai dit, l'énigme, tu peux te la mettre où je pense. C'est comme ta proposition de merde, tu t'auras jamais. Donc oublie définitivement. Mais tu ne comprends vraiment rien à rien à ce qui se passe autour de toi. Tu comprends-tu pas ce que va faire mon association pour changer la face du monde? Je crois savoir, vous changez pas la tête des gens ou quelque chose comme ça? Oui, il y a un peu de ça, oui, c'est pour ça qu'on va te refaire ta coiffure. C'est le seul moyen pour que tu puisses adhérer à notre association, de toute façon. Et je l'ai bien envoyé balader ce con Ashley, t'as vu? Ah bah... Je pense que Ashley sera d'accord avec nous pour une fois, tu as assuré. Ah, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que t'as assuré pour une fois. Ah, quand même, tu vois? Oui, oui. Je suis quand même un bon. Oh, c'est quoi? Un wagonnet. On dirait des montagnes russes. Allez, on monte dedans. Bon, alors, tu vois, comme je te disais que Salazar m'avait pris en fou. Mais moi, j'ai jamais fait de montagne russe de ma vie. Après, j'aimais bien les gâteaux que me faisait ma mère. C'est trop bien. Comment ça va trop vite? On en fait un tour, j'espère. Les gueules. Ouais, j'ai jamais eu autant de sensations de ma vie. Ça allait trop vite, surtout vraiment dans le virage là, où il y avait un petit corbeau qui s'est fait écraser par le wagonnet. Pauvre petit corbeau. Nous prions pour lui ce soir. Bon. Enfin, tu prieras pour elle. Pour lui. Tiens, ben voilà, regarde. Ah ! Le petit piège là où t'avais piqué ta crise. Regarde, tac. Ah ! Après, faut que je te positionne vraiment bien. Ah, c'est sûr qu'il faut bien ranger les trucs, hein. Au millimètre près, tu vois. Et là, normalement, j'ai la dernière partie que j'ai récupérée tout à l'heure. Hop. Ah, c'est parfait. Doudou. Et voilà. Ah, oh, on est trop fort. Non, je... Mais moi aussi, un peu. Non, t'as rien fait, toi. Ah si, t'as récupéré... Ah bah... Une partie. Ah, désolé. En plus, avec les monstres en forme d'armure. Tu m'avais raconté. Ah, oh, je suis tout gaze. Un tour de wagonnet. En plus, c'est pas cher! Allez! 1, 2, 3, 4! Wouhou! Ta gueule! Tu fais chier à la fin, Ashley. Attention, il y a un Ganados. Mais non, il y a rien! C'est que du plaise! Bon, j'espère qu'il y en aura plus parce que tu me saoules. J'adore! TG. Oh! La décoration, c'est magnifique quand même! Il y a une petite pièce. Ah bah... Avec un plafond beau, très beau. Allez, j'avance. Allez-y. Connaissez-vous la force centrifuge, Mr. Kennedy? La force centrifuge, non? Oui, c'est-à-dire que quand on pèse, ça donne à peu près ça. Oh putain, impressionnant. Ah. Non, là, je rigole plus, là. Ah. Bon, je vais rechercher des gaz. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tirer sur les trucs rouges, sinon on crève. Il a activé la force centrifuge! Mais il y a bien une. Oh! On a survécu! Qui c'est le plus balèze? Bon, on va vers le couloir, je vais le buter cet enfoiré. Il est parti par là! Ouais, il y a du sang, il a dû perdre son sang. Ouais, c'est. Il a dû lâcher trop de gaz d'un coup! Ouais. C'est violent! Oh merde! Putain de. Oh, pas bon. Bon, Stéphane, tranquille! T'as vu? Wesh! Oh, pas bon du tout ça, je vais essayer de les toucher à partir de là. Bien ou bien ma couille? Bien. Oh! Et... Ah, attends! Voilà. Oh! Tu peux. Oh, cool, en plus ça s'ouvre. C'est vraiment moderne. Bon, maintenant, tu ne bouges plus. Je vais poser toutes ces caisses. Mais je suis gentil comme fille, n'est-ce pas? Oui, sans compter que tu as frôlé la mort, bref. Je raconterai à tes parents tout ce que tu as fait quand on sera de retour. Oui! En plus, j'ai même pas eu peur quand le plafond il a commencé à tomber. Bon, style. Un petit peu alors. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai fait un petit peu pipi dans ma culotte. Mais c'est tout. C'est un tout petit peu pipi dans ma culotte. Bon, c'est déjà ça. Ouais. Mais je ne suis qu'une fille. J'ai des émotions fortes. Voilà. Oh, un cadenas. Plus de cadenas. Oh, il est très beau comme couloir avec les rideaux qui volent et puis les statues qui attendent. C'est ouais, mais beau. Ça, c'est parce que les. Les fenêtres sont ouvertes que les rideaux volent, tu vois. Tu crois? Ouais, certain. Là, faut peut-être que je positionne le barbe que j'ai trouvé tout à l'heure.
Ah, t'as posé le champagne, la flûte, le truc de tout à l'heure. Oui, c'est ça, la flûte. Voilà. Savez-vous voir boire du champagne? Oh, ta gueule un peu. Ouais. Tu fais chier, franchement. Non, sérieux, t'es lourd. Là. Là, regarde, là, il n'y a même plus de rideau, mais maintenant, ils ont pété les vitres. C'est peut-être Dada. Ah, Dada, je suis mobilé. N'empêche, quel violent. Bon, allez, moi, tac. Je vais péter ça au lance-mine. C'est pas bon. Ah, voilà, tu vois. Je crois que Sale Lézard et Chandler vont être drôlement ennuyés quand ils vont voir que leur gélatine est tombée. En attendant. Allez, on avance. Bah, tant que j'ai libéré le passage, tu peux dire merci. Il faut choper la fille. Oui, moustique. Merde, putain, elle est encore barrée. Merde, il y en a d'autres. Oh non, c'est bien ce qui me manquait, ça. Non, approchez pas. Tu sais ce qui s'est passé? On a mangé à Quick pour changer, mais c'est pire que McDo. Rien. J'ai encore foutre, envie de vomir. Laisse-moi te vomir sur le visage. Bon, voilà. C'était pas si compliqué. Oh merde, elle refait un tour, l'autre. Je crois que Ashley est quelque peu en furie aujourd'hui. Pour commencer à me saouler, je crois que quand je vais la voir, je vais lui tirer une balle là. C'est horrible. Ouais, mais je dis ça, je dis rien, mais à sa place, j'aurais un peu peur quoi. Pas moi. Parce que moi, je serais vite fait que j'aurais donné un coup de couteau dans le nouveau Vistador. Vistator. Ouais, c'est qu'elle a juste une entorse sur elle. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elle la cache. C'est clair. Bah bon, ne parlons pas trop de choses telles que celle-ci, ce serait un peu trop gore au bout d'un moment. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, maintenant, mais il n'y a plus qu'à la retrouver, parce que sinon elle est encore dans la merde.